بالذكر والشكر والقرآن بالآحاد إليه قد تبت في شعبان عن رجب مجددا في. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، شر فرير إسر الإسلام شر وديتر دلا راجو وداتا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique intitulée spécial Ramadan 1444 à travers les zones de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur sain. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Balligu anni walau ayam » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse davantage nos chers pays respectifs et leurs peuples, qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Que Allah accepte notre jeûne ainsi que nos autres bonnes œuvres que nous accomplissons dans ce mois de Ramadan et en dehors de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, ceci dit, le thème de cette émission est ces moyens pour profiter du revenir depuis longtemps, mais il n'est jamais trop tard d'apprendre et d'appliquer par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez et comme nous l'avons répété, le Ramadan est la foire spirituelle annuelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose à ses serviteurs pour recharger leur batterie spirituelle qui leur permet de se connecter à lui, de renouveler leurs forces, d'œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de vie terrestre et céleste. Aujourd'hui, la science, la technologie nous apprend, nous montre qu'un appareil ne peut fonctionner tout le temps sans donc une recharge conséquente. Par conséquent, dans la vie spirituelle aussi, nous avons des batteries qui peuvent se recharger, qui peuvent devenir faibles, qui peuvent donc bien fonctionner. Eh bien, cette période, la période de Ramadan, c'est la foire spirituelle au cours de laquelle on peut recharger facilement donc sa batterie spirituelle et pour que on puisse l'utiliser durant les 11 mois de l'année qui vont venir par la suite avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa bonté infinie, a varié et multiplié les moyens qui permettent aux croyants de profiter pleinement de cette offre divine qu'est le Ramadan. Ceci afin que chaque serviteur puisse trouver le ou les moyens qui s'adaptent à sa situation morale,
à sa situation physique, matérielle, spirituelle, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit bien portant ou malade, qu'il soit sédentaire ou voyageur. L'islam n'a rien omis. L'islam n'a rien omis surtout par rapport donc au jeûne de Ramadan. Quelle que soit la situation donc, du serviteur, eh bien, l'islam lui a prévu des conditions, lui a prévu donc des critères qui lui permettent donc de profiter de cette foire spirituelle, de cette manne céleste que le Ramadan. Par conséquent, il faut profiter pour recharger sa batterie spirituelle durant ces jours qui sont les jours du mois de Ramadan au cours desquels le noble Coran a été donc révélé comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Nous allons, chers frères et sœurs en islam, vous indiquer ou indiquer ici les plus grands et les plus importants de ces moyens tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de nous conformer à leur application afin de bénéficier de tous les avantages des moyens, mais on va dire l'essentiel, Inch'Allah, au cours de cette émission et des émissions à venir, Inch'Allah. Le mois de Ramadan, eh bien, on a tellement de thèmes qui sont importants. J'ai hésité entre les thèmes de l'invocation et ces thèmes, et j'ai dit que je vais parler peut-être d'abord de ces thèmes, 16 moyens pour profiter de Ramadan, et puis revenir aborder les thèmes de l'invocation. Également les thèmes de la dernière décade de Ramadan, son importance, sa valeur et les actes qu'il faut connaître et accomplir dedans. Tout cela, ça fait partie des thèmes spéciaux, spécifiques, particuliers, donc au mois de Ramadan. 16 moyens pour profiter du Ramadan, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs. Le premier moyen, c'est nourrir l'intention de profiter du Ramadan. Nourrir l'intention de profiter du Ramadan. En réalité, c'est ici que la différence entre spirituel, c'est ici que s'est fait donc la différence. C'est ici que s'est fait la différence parce que la vie tout entière était marché, comme on dit. La vie était marché qui nous offre tout, mais qui ne nous donne rien gratuitement. Oui, le marché, vous avez les marchandises, vous avez les marchandises, les objets que vous voulez au marché, mais ces marchés-là ne vous donnent rien. Il faut apporter leur prix. Il faut apporter donc de quoi payer ces marchandises. Et chacun, en allant au marché, fait donc un plan. S'il a un plan, s'il n'a pas de plan, il met son argent dans parfois des choses qui ne sont pas utiles pour lui. Et c'est la raison pour laquelle acheter du marché, sinon et il va vagabonder dans les marchés, acheter des choses qui ne sont pas nécessaires à lui. Dans la vie aussi, c'est comme ça. Il faut avoir un programme, il faut avoir un plan, surtout pendant cette foire spirituelle. Qu'est-ce que vous voulez avoir du Ramadan? Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amélioration de votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'amélioration de votre vie spirituelle, l'amélioration de votre vie matérielle, l'amélioration de votre relation avec votre conjoint, si vous avez un conjoint ou un conjoint, bon, en français, le mot conjoint s'applique à la femme et à l'homme. Donc, si vous avez un mari ou vous avez une femme, eh bien, si vous voulez profiter de Ramadan pour améliorer votre relation avec votre conjoint, eh bien, c'est l'occasion. Donc, tout dépend de l'intention. « Innama al-amal bi-niyya » dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, la différence entre les concurrents, nous sommes tous des concurrents dans cette foire, les candidats et les commerçants qui participent à cette foire spirituelle, c'est l'intention. C'est l'intention. En effet, le Ramadan se présente à chacun selon la considération qu'il lui donne et la manière dont il le conçoit. Donc, il y a des gens qui pensent que le Ramadan, c'est un calvaire, le Ramadan, c'est une privation, donc de ses droits de manger, de boire, etc. Eh bien, ceux-là ne pourront pas profiter du Ramadan s'ils le considèrent comme ça, tandis que ceux qui vont voir le Ramadan comme une occasion pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme une occasion pour renforcer leur victoire sur Satan, l'ennemi juré, ou bien une occasion pour améliorer leurs conditions de vie spirituelle et matérielle, eh bien, ils vont profiter certainement, mais chacun profitera bien sûr en fonction de son intention et en fonction de ses efforts. Comme je disais que la vie tout entière était marché, si vous donnez 1 million à un adulte,
S'il va au marché, il sait bien ce qu'il va acheter. C'est un adulte qui a une famille, qui a une charge, il sait bien comment il va utiliser ses millions. Donner le même million à un jeune homme, il va au marché, il va acheter n'importe quoi. Et donner ces millions à un gamin, lui, il va remplir donc sa maison avec des jouets. Donc c'est comme ça dans la vie. Chacun a ses objectifs en allant au marché, et bien chacun a ses objectifs aussi en entrant dans cette foire spirituelle. Donc, le ramadan se présente à chacun selon la considération qu'il lui donne et la manière dont il le conçoit. Si en effet, un miroir dans lequel le serviteur se voit et le profit qu'il peut en tirer est proportionnel à son intention et à la valeur qu'il donne à ce ramadan. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si on revient à la circonstance particulière donc de ces hadiths, « Innama al-amal bin-niyya » Donc, celui, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les intentions ne valent que par, les œuvres ne valent que l'intention, ne valent que par l'intention qui les motive. Celui dont l'émigration de la Mecque à Médine est faite pour Allah et son messager, eh bien, son émigration lui sera comptée comme telle. Celui qui émigre pour épouser une femme ou chercher ses bas mondes, eh bien, cette émigration, son émigration lui sera comptée comme telle. Donc, c'est comme ça de la vie. L'émigration n'est qu'un exemple. Tout ce que nous faisons, eh bien, c'est en fonction de nos intentions. Même si on prie, même si on jeûne, même si on accomplit le hajj, la umra, si ce n'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, la récompense ne sera pas établie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, chers frères et sœurs, il faut être conscient de cela. La différence entre les concurrents à cette foire spirituelle que le mois de Ramadan s'est fait au niveau de l'intention. Quelle intention nous avons en abordant en entrant dans ce mois? Quelle intention nous avons en vivant ce mois? Quelle intention nous avons donc à la fin de ce mois? Tout dépend de notre intention. En effet, le Ramadan se présente à chacun selon la considération qu'il lui donne et la manière dont il le conçoit. Comment vous concevez le mois de Ramadan? C'est en fait un miroir dans lequel le serviteur se voit et le profit qu'il peut en tirer est proportionnel à ses intentions et la valeur qu'il donne à ce ramadan. C'est pourquoi l'ange Jibril alayhi salam a invoqué contre celui qui parvient au ramadan et qui n'en profite pas pour être pardonné. Et le prophète sallallahu alayhi salam a renforcé cette invocation de l'ange Jibril en disant Amin. En fait, les compagnons entendaient le prophète sallallahu alayhi salam dire Amin, Amin, Amin jusqu'à trois fois. Alors qu'il ne voit pas quelqu'un qui parle, il ne voit pas quelqu'un qui prie, il ne voit pas quelqu'un qui invoque. Après, ils ont demandé, mais à qui tu réponds? Parce que Amin, ça veut dire qu'Allah exauce. Hein, qu'Allah exauce. Donc, ça veut dire l'invocation. Il a dit, c'est l'ange Jibril qui est venu. Il a dit que celui qui parvient au Ramadan et qui n'est pas pardonné, qu'il ne soit pas pardonné. Parce que si on n'est pas pardonné pendant le mois de Ramadan, le mois par excellence de l'invocation, le mois par excellence du retour, du repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, le mois par excellence de l'amélioration de nos conditions de vie spirituelle, eh bien, s'il n'est pas pardonné pendant le mois de Ramadan, pendant quel mois il peut être pardonné? On ne dira pas qu'il ne sera pas pardonné, mais il a raté une occasion qui peut peut-être ne pas se renouveler pour lui. Par conséquent, le prophète a dit Amin. Et l'ange Jibril dit de la deuxième invocation, celui qui a trouvé en vie ses deux parents, donc le père et la mère, ou l'un d'entre eux, le père ou la mère, et qui n'est pas pardonné par son bon comportement envers eux, eh bien qu'il ne soit pas pardonné. Et j'ai répondu oui. Et la troisième invocation, celui auprès de qui ton nom, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien qu'il périsse. Donc qu'il périsse, en fait, c'est le terme. Et utilisé par l'ange Jibril, c'est pas qu'il ne soit pas pardonné, mais qu'il périsse. Donc, c'est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on mentionne son nom, surtout quand on dit Muhammad, eh bien, celui qui entend doit dire sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'ange Jibril a invoqué contre celui qui parvient au ramadan et qui n'en profite pas pour être pardonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renforcé cette invocation de Jibril en disant Amin. Ceci montre clairement que nous ne profiterons du ramadan que conformément à notre intention. Parce que c'est lui-là qui est entré dans le mois de ramadan parce qu'il y a un thème qui
que nous développons chaque année avant l'entrée de Ramadan, intitulé « Les différentes catégories des gens face à la venue du mois ». Et bien, parmi ces différentes catégories, il y a des gens qui entrent dans le mois de Ramadan et qui sortent aucune de ces influences, aucun de ces effets, aucun de ces impacts. Ils entrent dans le mois de Ramadan et ils sortent sans qu'il y ait un changement, ni dans leur comportement, ni dans leur relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans leur relation avec les autres. Donc ceux-là, ils ont laissé une occasion inestimable qui peut ne pas se renouveler pour eux. Chers frères, avant de continuer, nous allons prendre une pause, Inch'Allah. واشهد بحبك حب الذات يا آمالي وكن حبيبي يوم الهول والكمد إني أحب. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, vous suivez spécial Ramadan 1444 à travers les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey. Le thème de cette émission d'aujourd'hui est donc 16 moyens pour profiter du Ramadan. Le premier moyen, c'est l'intention. C'est nourrir l'intention de profiter de ce Ramadan. Ce n'est pas encore tard. Si on n'a pas eu cette bonne intention, eh bien, on peut changer d'intention et profiter donc des jours qui invoque contre celui qui parvient au Ramadan et qui n'en profite pas pour être pardonné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renforcé cette invocation de Jibril en disant « Amin », c'est-à-dire qu'Allah exauce. Donc, ceci montre clairement que nous ne profiterons du Ramadan que conformément à notre intention. Celui qui considère le Ramadan comme une gêne, comme un calvaire, comme une privation donc de ses droits de manger, de boire, etc., n'en tirera pas grand profit, car il le vivra malgré lui. Or, les adorations accomplies à contre-cœur ne sont pas acceptées auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut le savoir. Toute adoration accomplie à contre-cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas acceptée. D'abord, tu es créé pourquoi? Pourquoi tu es sur cette terre-là? Pourquoi tu vis aujourd'hui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé pour un but bien déterminé qui est donc son adoration. Donc tu n'as pas autre mission à accomplir avant l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, avant et après l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu considères que le Ramadan est un calvaire, que le Ramadan est une gêne, une privation de tes droits, eh bien tu n'en tireras pas profit, parce que tu vas le vivre malgré toi. Or, toute adoration que le serviteur fait malgré lui n'a pas de récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons vous donner la preuve de cela en prenant un seul exemple. Et l'exemple coranique suffit. Ce n'est qu'un exemple et on peut mesurer donc cela par rapport à toutes les autres adorations. Oui, les adorations accomplies à contre-cœur ne sont pas acceptées auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il l'a dit à propos de l'aumône des hypocrites, Allah a recommandé dans beaucoup de passages coraniques, beaucoup de passages coraniques, le fait d'aider les parents, le fait d'aider les proches parents, les besogniers, les pauvres, ainsi de suite. Eh bien, c'est donc un ordre de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, celui qui dépense, qui donne de l'aumône, eh bien, il répond à l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il accomplit une adoration. Mais voilà que Allah subhanahu wa ta'ala dit au moment où, en parlant des hypocrites, en coubala minhum nafakatum illa annahum kafaru billah, obi rasulihi wala yatuna salata illa hum kusala, illa wahum kusala, wala yum fikuna. Donc, c'est ça les témoins ici. Donc, d'être agréé. Malgré le fait que Allah a ordonné donc de dépenser dans sa voie, eh bien, ce qui empêche leur don d'être agréé, d'être accepté, c'est le fait qu'ils n'ont pas en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la salat que paresseusement.
et qu'il ne dépense, c'est le témoin ici, et qu'il ne dépense de les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. Donc ils dépensent, ils donnent des aumônes, ils font des dépenses, ils font des aides. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donc Allah n'accepte pas une adoration accomplie à contre-cœur, que ce soit la salat, que ce soit les jeûnes, que ce soit le hajj ou la umrah, la zakat, n'importe quelle adoration que l'on accomplit à contre-cœur, malgré soi, eh bien, ça n'a pas de réponse, ça n'a pas d'effet, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit ici à propos de l'aumône des hypocrites. Par conséquent, chers frères et sœurs, laquelle ce mois-là, c'est le mois de la piété, le mois de la crainte, le mois donc de la sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, le mois de la sincérité avec nous-mêmes, le mois de la sincérité avec les autres. Et si cette sincérité, nous n'arrivons pas à l'acquérir pendant le mois de Ramadan, je ne sais pas à quelle période de l'année on peut l'acquérir. Par conséquent, il faut être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que nous le faisons pour nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala a fixé des conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, eh bien, c'est à notre détriment. De toutes les façons, on ne nuit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on ne peut pas être utile à Allah subhanahu wa ta'ala, ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes, des biens ou des mal. Si vous faites les biens, vous les faites pour vous-même. Et si vous faites les mal, vous les faites contre vous-même. Et quiconque aura accompli le bienfaisant du poids d'un atome le verra. C'est-à-dire, il en sera récompensé. Et quiconque aura accompli le mal fait-il du poids d'un atome, il le verra également. C'est-à-dire, il en sera récompensé. Par conséquent, soyons sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte le peu que nous accomplissons dans sa voie et pour qu'il nous donne de ce qu'il y a auprès de lui. Et surtout pour que nous puissions donc être en contact permanent avec lui, subhanahu wa ta'ala, même en dehors du mois de Ramadan. Chers frères et sœurs, à l'instar de l'intention du jeûne, le musulman doit formuler au plus profond de lui, en toute sincérité, son intention de profiter du mois béni de Ramadan, dès la première nuit de Ramadan. Et cette intention globale est suffisante pour tous les mois. Donc, il y a l'intention de jeûner le mois de Ramadan, cette intention dès l'annonce du mois de Ramadan, on la formule au fond de soi, que je vais jeûner le mois entier. C'est une intention qui suffit pour tous les mois, sauf si on tombe malade, ou bien on interrompt le jeûne pour une cause permise en islam, comme le voyage, comme la maladie. Eh bien, si on renouvelle, mais sinon elle est globale, elle est suffisante pour tous les mois. Ou bien, ce qui est un peu dangereux, le fait de renouveler, donc de prendre l'intention chaque nuit avant l'apparition de l'aube. Et parce qu'il y a des hadiths authentiques qui affirment que celui qui n'a pas pris l'intention de jeûner, le jeûne obligatoire, avant l'apparition de l'aube, eh bien, il n'a pas de jeûne. Par conséquent, il faut que notre intention soit avec nous dès la nuit, avant l'apparition de l'aube, si on prend l'intention chaque jour. Et ça, c'est un peu risqué dans la mesure où on peut être dans le sommeil jusqu'à l'apparition de l'aube. Par conséquent, on va se réveiller sans pouvoir formuler l'intention du jeûne. Et c'est pourquoi l'intention du jeûne globale dès l'annonce du mois de Ramadan est plus solitaire et plus convenable. Et ça nous permet. Donc ça, c'est l'intention de jeûner. Maintenant, l'intention de profiter du mois béni de Ramadan, c'est une autre intention. Et là aussi, il faut vraiment la formuler. Et une fois qu'on l'a formulée, et puis maintenant, il faut voir son programme, si on a un programme. Je vais lire le Coran combien de fois, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tout ça, il faut que ça soit dans le programme. S'il n'y a pas de programme, ça veut dire que c'est la routine. On va faire comme chaque jour la même chose. Chaque jour la même chose. Et on ne sait pas si on avance dans la vie où on recule. Or, notre vie ne fait que diminuer. Depuis le jour où on est venu dans ce monde, depuis notre naissance, on ne fait que diminuer. Si on devrait vivre 100 ans, et bien depuis le jour où on est venu dans ce monde, ces 100 ans-là,
ne font que diminuer, ne font que diminuer, ne font que diminuer jusqu'à ce qu'on arrive donc à la fin de ces 100 ans. Donc chaque jour qui passe, c'est une durée négative de notre vie qui s'en va, qui ne revient pas, qu'on ne peut pas remplacer, qu'on ne peut pas compenser. Par conséquent, pendant que notre vie est en train de diminuer, il faut que nos œuvres augmentent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette intention de profiter du Ramadan, il faut l'avoir. Mais ça ne suffit pas seulement l'intention. Si on a l'intention d'avoir telle ou telle marchandise, alors qu'on ne va pas au marché, on ne fournit pas l'effort pour l'avoir. Et c'est comme les gens qui veulent avoir des enfants alors qu'ils ne sont pas mariés, ou ils n'ont pas donc des choses de femmes ou de maris, eh bien, c'est impossible. Il faut d'abord se marier avant de souhaiter des enfants. Donc, dans la vie aussi, il faut avoir un programme, surtout pour ce mois de Ramadan. Nous avons parlé de cette obligation d'avoir un programme en trois étapes essentielles, concevoir son programme avant l'entrée du Ramadan. Maintenant, respecter donc ce programme et surtout avec les prédateurs du programme de notre temps, de notre vie, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont des prédateurs, pas seulement de notre temps, mais de notre vie. Quelqu'un qui vient à l'improviste chez toi, soit disant visite, et puis au cours de cette visite-là, vous allez calomnier quelqu'un d'autre, vous allez médire de quelqu'un d'autre. Ça, en réalité, ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi, parce qu'il est en train de prendre tes bonnes actions, il est en train de t'amener à commettre des péchés. Or, les bons amis et camarades, c'est celui qui t'aide à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah l'a recommandé, wa ta'awna al-birr wa taqwa wa la ta'awna al-ithmi wa l'udwan. Entraidez-vous dans l'acquisition de la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans l'accomplissement des bonnes œuvres, et ne vous entraidez pas dans les péchés et la transgression. Donc, il faut faire attention. Même si on a un programme, si on ne fait pas attention, on risque de ne pas le respecter. Chers frères et sœurs, pendant que le temps consacré à cette émission arrive à sa fin, peut-être que nous allons aujourd'hui parler uniquement de ces premiers mois. C'est pourquoi ce thème peut nous prendre contrairement aux autres thèmes que nous avons abordés en une seule séance ou deux ou trois séances. Donc, il s'agit de formuler l'intention de profiter pleinement du Ramadan en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, avant tout, demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons rien sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi la hawla wa la quwwata illa billah. On ne dit pas la hawla wa la quwwata, comme les gens ont l'habitude de le dire. On dit la hawla, ça c'est la langue arabe. Et chaque langue a ses règles. Donc si vous voulez dire la hawla, on dit la hawla wa la quwwata illa billah. Et non la hawla wa la quwwata. La hawla wa la quwwata illa billah, ça veut dire il n'y a ni force ni puissance qu'en Dieu. On ne peut rien faire en tant qu'être humain, en tant que créature, sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons donc besoin de cette aide-là, l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes nos affaires, que ce soit celle de ce bas monde ou de l'autre, on a toujours besoin de l'assistance divine. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous fait dire chaque jour au moins 17 fois à travers nos unités de prière. Il y a 17 unités de prière obligatoires, 2 rakas pour Fajr, 4 rakas pour Dhuhr, 4 rakas pour Asr, 3 rakas pour Maghrib et 4 rakas pour Isha. Ça fait 17 au total. Et dans toutes ces unités de prière, que l'on soit imam ou derrière mamoum, c'est-à-dire quelqu'un qui prie derrière un imam, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons secours. On a besoin de ce secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a besoin de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même pour les actes que nous pouvons accomplir sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut être difficile. C'est aussi la raison pour laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de dire trois fois après chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Après chaque prière, on dit Seigneur, aide-moi à mieux te rappeler, à mieux te remercier et à mieux t'adorer. Cela nous permet donc d'avoir vraiment l'assistance de Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans cette assistance, en réalité, nous ne pouvons rien faire de concret et de positif. Le temps consacré à cette émission arrive à sa fin. Donc, 16 mois pour profiter du Ramadan. Les premiers mois, c'est nourrir l'intention. Donc, l'intention
C'est très important dans tout ce que nous faisons. Eh bien, il faut que ça soit d'abord pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison sine qua non, la condition sine qua non pour que ça soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nos adorations, que ce soit les jeûnes, que ce soit la prière ou le hajj ou la umra ou l'aumône ou la zakat, il faut que ça soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, nous allons donc nous arrêter ici, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce que vous avez, ce que nous avons dit, ce que vous avez entendu, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka أنت التواب الرحيم اللهم عز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفقنا دائما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وعنئم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.